Les négociations soutenues par la Turquie, la Russie et l'Iran pourraient durer des jours. Les pourparlers ont été salués par la plupart des parties au conflit, mais les délégués des deux camps ont des idées opposées sur les objectifs à atteindre. Le président syrien Bachar al-Assad insiste sur le fait que les rebelles doivent déposer les armes en échange d'une amnistie. Les rebelles, de leur côté, disent qu'ils veulent renforcer la trêve déjà négociée par Ankara et Moscou le mois dernier.